Salam alaikum wa rahmatullah. Si vous aimez traduire des vidéos islamiques de l'arabe vers le français et que vous voulez apprendre comment coller le texte de la traduction en bas de votre vidéo et sous forme de sous-titres. Donc cette vidéo tutoriel, elle est faite pour vous. Donc le logiciel qu'on va utiliser s'appelle Subtile Workshop. Pour plus de détails, vous pouvez regarder la description de ma vidéo. Alors, je vais commencer par ajouter une vidéo échantillon sur laquelle on va travailler. Il est à noter que ce logiciel n'accepte que les vidéos au format AVI. Donc pensez à convertir avant de travailler avec vos vidéos. La première chose à faire, c'est de cliquer sur Fichier, Nouveau sous-titre. Alors je vais commencer par lire ma vidéo. Donc, on va supposer que le début de mon premier sous-titre va intervenir ici. Donc, je clique sur pause, je viens ici, sur cette touche, qui marque le début de mon premier sous-titre. Donc voilà, mon premier sous-titre va apparaître au niveau de la seconde 4. Et je vais continuer de lire. Voilà, je m'arrête là et je vais marquer la fin de ce sous-titre, la fin de ce premier sous-titre, en cliquant sur cette touche, tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais venir dans la zone texte et je vais traduire mon premier texte. Titre 1. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, comme récapitulation, le premier sous-titre commence à la seconde 4, se termine à la seconde 13 et le texte il est ici. Ensuite, on vient dans édition, ajouter un sous-titre. Voilà, le deuxième sous-titre il va commencer à la seconde 13. Comme vous pouvez le remarquer, il commence directement et le sous-titre précédent. Donc, ce qui est tout à fait logique. Donc, on va continuer avec le sous-titrage jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, moi, je vais faire trois sous-titres et je vais m'arrêter. Je m'arrête là. Je marque la fin. J'écris le texte. Test sous-titre 2. Je viens dans édition, ajouter un sous-titre. Il commence à la seconde 26. Je continue. Voilà, je m'arrête par exemple ici. Je vais marquer la fin. Test de sous-titre. Et je continue ainsi jusqu'à la fin. C'est très facile. Et ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour apprendre ça, en fait. Donc après, quand vous aurez fini, vous allez dans paramètres, paramètres de sortie, et vous allez dans substation alpha SSA. Là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer la police, vous pouvez garder comme moi la taille 18, le gras et la police arrière. Ok, ici concernant style des voitures, alors si vous choisissez contour plus ombrage, vous aurez un résultat qui ressemble à ça. À ça. Par contre, si vous choisissez boîte opaque, attendez-vous plutôt à ça. Donc c'est à vous de voir. Soit cet exemple, soit cet autre exemple. Donc moi par contre, j'utilise contour plus ombrage. Alors vous cliquez sur OK et puis vous venez ici fichier, enregistrer sous, vous allez descendre chercher substation alpha.
cliquez et vous allez donner un nom à votre projet. Projet sous-titre YouTube, par exemple, et vous allez enregistrer. Alors, la deuxième étape, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va à un autre logiciel qui s'appelle Format Factory. Comme vous pouvez le voir ici, ce logiciel, il va nous permettre de fusionner le projet de sous-titres avec la vidéo source. Donc, on va chercher la vidéo source. On va la mettre ici. Donc, on a le menu suivant. Je vais choisir, par exemple, le format de destination AVI. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ici, Output Folder, le dossier de destination. Je choisis le même dossier où vous pouvez parcourir et choisir ce que vous voulez. Alors, la phase la plus importante, c'est dans Settings. Vous allez descendre ici et dans Additional Subtitles, vous cliquez sur le petit plus ici. Vous allez ici dans la zone bleue que vous voyez et vous cliquez. Et là, vous allez chercher le projet de sous-titres que vous avez enregistré juste avant. Vous double-cliquez dessus, donc le voilà. Donc c'est ce projet-là qui va être fusionné avec la vidéo. Et sur OK. Puis sur OK. Et là, vous allez cliquer sur Start et vous attendez. Donc on se retrouve après la fin de la conversation. Donc voilà, la mission elle est terminée. On va aller voir l'aperçu de notre résultat. On ouvre pour voir ce que ça a donné. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça a marché. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. C'était ma première vidéo tutoriel. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez laisser des impressions, des remarques, ça sera le bienvenu. Jazakumullah khair et merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullah.